Hey, salut tout le monde, c'est Sentas et aujourd'hui on se retrouve sur Spider-Man, le règne des ombres. Mais oui, je me suis enfin décidé à tourner peut-être la suite parce que j'ai vu qu'en fin de compte c'était peut-être quelque chose qui était attendu. Du coup, je me suis dit, allez, on va tourner la suite. Je me motive, je me bouge les fesses et je relance le jeu sur ma play et on y go. Donc c'est parti. Je ne me souviens vraiment plus du tout de ce qu'on a fait dans le dernier. Je crois que c'était, on a combattu Venom, si je dis pas de conneries, ou Electro. Non, c'était Electro, je crois. Enfin, bref, c'est parti. Alors, enquêter sur les trolls. D'accord, ok, c'est bon, ça me revient, je sais ce qu'on va faire. Non, mais je vous dis, hein, là, ça fait une heure que je me suis. Ah ouais, faut que je tourne Spider-Man. Je termine ma partie de League of Legends, parce qu'il faut savoir que je joue à League of Legends comme beaucoup de gens. Et je m'y mets. Et du coup, allez, c'est parti. Je sais pas du tout de quoi je vais bien pouvoir parler. Je vais mettre la vidéo en 60 fps malgré le fait que c'est pas du 60 fps et en plus j'ai des gros ralentissements parce que la play m'a fait mal tourner le jeu. Alors c'est parti. Je redis juste parce que je l'avais mal dit dans ma dernière vidéo sur Minecraft PS4. Je redédicace donc c'est pas Seios mais le jeu de la semaine de m'avoir fait cette intro. Voilà. Alors. Oups. Ah d'accord, c'est bon, je me souviens quand même du jeu et je sais ce qui se passe. Allez, cinématique. Si j'ai pas de bêtises. Oui. Je veux voir le responsable. En tant que citoyen de New York, j'exige qu'on ouvre ce pont. J'ai des ordres, monsieur. Manhattan est en quarantaine. Eh bien, en fait, le pont risque de ne pas supporter ton poids, et... Je sais parfaitement ce qui se passe. Alors, comment va ton petit compagnon dans l'espace? J'envisage de me retirer à la campagne. Le Kaïd serait-il en train de paniquer? Et où sont les vrais super-héros? Ray Charles, Stark, tous ces pseudo-génies qui pourraient nous débarrasser de ça. Dommage que tous les savants fous soient enfermés à Rikers. Je suis peut-être parti un peu vite. Bon, allez, on retourne à la maison. Tiens, d'ailleurs, où sont Richards et Stark? Je vais d'abord essayer avec Richards. Vous êtes bien au quartier général des 4 Fantastiques. Passez-moi Reed Richards. Pour les systèmes analytiques de données, tapez 1. Pour le projet super de production des armes, alors disons 4, tapez 2. Comme pour Fantastique. Pour Monsieur Fantastique, appuyez sur yes. 1. Ici le bureau du docteur Richards. Il est actuellement en déplacement interstellaire. Veuillez laisser un message. La messagerie est pleine. Ah, super. Essayons Stark. Vous êtes bien à la Stark Tower. Zéro, le standard. Stark Industries est actuellement fermé pour cause d'urgence sanitaire. Évidemment. S'il était en ville, il serait déjà là. Peut-être Hank McCoy. Votre correspondant ne peut être joint. Toutes les lignes sont occupées. Henri Pym? Non. MJ, c'est moi. Tout va bien? J'aide Luc à bien, établir très bien. Une sorte d'abri de... Écoute un peu, je pense avoir une idée un peu dingue. La prison de Rikers est pleine de savants fous. Je vais bien en trouver un pour fabriquer une bombe qui anéantirait les symbiotes sans blesser les civils. Le bricoleur y séjourne. Évidemment, il va falloir que je l'aide à s'évader, sachant en plus que le SHIELD et la police sont à mes trousses. Tu m'écoutes? Je vais enfreindre quelques lois. Oui, oui, bien sûr. Écoute, fais ce d'accord. Que tu penses qu'il est le mieux. Bon, je dois y aller. Bon. Il faut que je prenne les choses en main. Spider-Man, sais-tu que les portables ne sont pas sécurisés? Bien sûr qu'il le sait, mais il a trouvé un bon moyen pour trouver de l'aide. En fait... N'y pense même pas. C'est une excellente idée. Tu vas enfreindre la loi. Tu vas sauver la ville. Hé hey, tu veux faire quelque chose de bien? Ce n'est pas si simple. Mais bien hey sûr que... Rikers, c'est sur une île! Il va falloir y aller! Des volontaires? Alors, on avait pris la voie noire ou la voie rouge déjà? Voie noire, allez, c'est parti.
Oui, c'est vrai que ce Splash, j'ai décidé de le faire en voix noire car c'est un peu plus travaillé, je trouve, que la voix rouge. Et puis voilà. Rikers, une prison haute sécurité. C'est assez ironique de commettre son premier crime dans une prison. Je ne savais pas où trouver le bricoleur. J'ai commencé mes recherches dans le bâtiment principal. Il me fallait aussi franchir les portes sécurisées et mettre au point une sorte de bélier. Oh, je trouve qu'il est 2h du mat et que moi je suis crevé. Je sais que vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Tu attends quoi? Est-ce que tu dégages, sale volatile? Alors bah c'est cool, j'ai le titre de mon épisode, ça s'appellera La Prison. Limite je joue au jeu sur mon PC parce que j'ai l'impression que le signal de capture est plus beau que sur ma télé. Ah, c'est bon, ah, ça fait du bien de recombattre quand même parce que le gameplay est quand même top dans ce jeu. Ah merde, je suis con, je commence à taper le matos alors qu'il y a juste appuyé sur un bouton. Ah oui, j'avais zappé ça. Appeler l'épisode le rhino, mais on va plutôt l'appeler la prison. Ah, il est où le rhino déjà? Il est là. Alors, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est de l'autre côté. Sécurité maximum. Ça y est, pige. Aide-moi, la crevette. Alors ce choix ne change absolument rien. Que je fasse voix noire ou voix rouge, les deux choix sont les mêmes en vrai. Mais bon, je fais quand même voix noire pour le loud.
Parfait, mais j'aurai besoin de toi plus tard. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de tes muscles en cas de pépin. Si jamais tu vois des types volants dans les parages, n'hésite pas à leur dire que je t'ai laissé partir. Je me suis bien amusé, là, c'est... Bon, il est temps de s'occuper du bricoleur avant de partir. Après, on va trouver... Là, juste après, bah là, il n'y a plus que de la cinématique. Genre, une grosse cinématique. Le bricoleur en fait, je viens de sortir d'ici. Vraiment? Et attendez, je vais Je vous le ramènerai une fois qu'on aura sauvé le monde. C'est promis. Et en fait, là, dans la cinématique qui suit, en fait, alors ça, c'est juste du chargement. Hein. Oh, voilà, là, on va trouver la cinématique que je... Une des cinématiques que je préfère dans le jeu. Et une punchline de... que je trouve trop stylée. Vous allez voir, je vous laisse regarder. Halt. Tu es reconnu coupable de 65 forfaits, Spider-Man. Je m'occupe du bricoleur. Arrière, retour. Bien joué, Spider-Man. Bonjour tout le monde. C'était son idée. Vautour, Monsieur Fisk. Waouh, quelle assemblée. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité et incitation à... situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle, Mademoiselle Romanoff. Voilà. J'essaie de sauver cette ville, moi. Nous essayons tous de sauver cette ville. Je contrôle parfaitement la situation. Et Electro, il était sous contrôle? Mademoiselle Romanoff, oubliez votre manuel et prenez véritablement les choses en main. Je ne vous ai pas adressé la parole, Fisk. Vos supérieurs vous ont-ils accordé les moyens pour réussir ou pour assurer votre échec? Emmenez Spider-Man et le bricoleur au centre de commandement à la Stark Tower. En avant, nettoyez-moi le cirque. Bien joué, commandant. Tirez-vous de là, Fisk. À situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles, Mademoiselle Romanoff. La veuve avait accepté de donner une chance au bricoleur de s'occuper des symbiotes. C'est pas du tout évident que ses supérieurs partagent... Alors là, regardez, gros fail, le pont est déjà détruit. On dirait que la cavalerie... Je crois que c'est parce que j'ai déjà fini le jeu, en fait, et qu'on joue sur une sauvegarde où le jeu a déjà été terminé, mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans le précédent épisode, ça ne change rien. On considère que le pont est intact, là. Donc là, il vient d'être détruit. Sans doute, mais isoler la ville endiguera peut-être l'épidémie. Dans le prochain épisode, obligé, je l'appelle l'épidémie parce que... Bon, c'est à nous. Il y a tous les épisodes, vous pouvez les appeler comme ça, puisque là, c'est un peu ce qui se passe. L'épidémie s'est propagée comme un feu de brousse. Les symbiotes étaient partout. Venom allait payer pour ça. Et désormais, c'était une affaire personnelle. On est bien dans l'histoire de la voie noire, parce que si on était dans l'histoire de la voie rouge, le Spider-Man n'y parlerait pas de manière aussi dark. Elle avait tout fait pour que mon idée fonctionne. J'espérais ne pas m'être trompé. La seule chose de sûre, c'est que la situation devenait vraiment catastrophique. Spider-Man, pendant que le bricoleur confectionne une super arme pour tuer ces créatures, toi, tu vas assister mes troupes. Eh ben, vivement la quille. Reste concentré, s'il te plaît. Je te rappelle qu'on n'est pas là pour faire des blagues stupides. Oh, un petit peu d'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tais-toi et écoute-moi attentivement. Le SHIELD a établi une base d'opération autour de la Stark Tower. Nous allons tenter de récupérer autant de civils que possible et les amener ici, de force si nécessaire. Et c'est quoi, là, cette clôture électrique? Cette clôture nous offre une certaine protection contre les créatures. Sois prudent si tu dois t'en approcher. Si tu la touches, c'est la mort qui t'attend. Ah, je vois. Merci pour l'info. Tu veux mon numéro de portable? La Stark Tower va servir d'abri et d'hôpital de campagne pendant cette opération. Et non, je ne veux pas ton numéro de portable. Tu vas utiliser notre système de communication perfectionné. Tu penses à tout, hein? Oui, c'est exact. Attention, je vais éternuer. Spider-Man, il faut impérativement que cette zone reste sécurisée. C'est notre unique chance de sauver la population de New York. D'accord, compris. Je vais faire de mon mieux. Ouais, donc comme je le disais, si on avait fait la voie rouge, il aurait pas dit. Ouais, l'épidémie, c'est bon, pas génial. Genre, Venom, il va payer pour ça et c'est une affaire personnelle. Il aurait dit. Alors les gens voient ça comme une épidémie, mais moi je trouve que c'est plutôt une invasion. En effet, le virus, machin, je sais pas quoi. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un gros fail dans ce jeu et qu'à un moment, au lieu de mettre symbiote, ils disent zombie et que ça c'est drôle. Je pourrais même faire une chronique du coup sur ce jeu là. Non, vous verrez, c'est pas pour tout de suite. Pourtant, on est pas loin. Bon, bah, je sais pas ce qu'on va bien pouvoir faire. Je sais pas, je pense pas qu'on va continuer.
s'arrêter là, gentiment. 15 minutes, ça fera moins imploder. On va pas commencer la suite, quoi. Parce que là, on est carrément dans une autre dimension du jeu. Hein. On est toujours en open world, on peut toujours se balader dans la ville, mais la ville, c'est plus des civils. Regardez. Hop là, regardez, on est en ville. Hop là, ils sont où? Voilà, regardez. La ville est envahie. Oui, donc c'est un peu des zombies, c'est vrai. Bon, ça, c'est les symboles de base, hein, les one shot, par exemple. Ah non, attends. Voilà. Un peu de temps, ils sont morts, quoi. En voilà, allez, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aimez bien le jeu, comment en mode posé, je dis de la merde et tout, dites-le moi, mais je pense pas en vrai parce que. Parce que je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, mais bon, j'essaie de terminer ce let's play comme je peux, donc peut-être qu'un live de quelques heures se fera pour essayer de finir une grosse partie, voire même le finir, ça m'étonnerait. Voilà, sur ce, je vous dis salut et à la prochaine les gens, c'était Sentas.